Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Et le repos est terminé. Libéré, oui, bah, calme-toi quand même. Délivré, je vais pouvoir accoucher. Parce que vous avez suivi l'épisode de repos par rapport à la grossesse, parce qu'on avait peur que bébé arrive en avance. Maintenant, je suis arrivée dans la période où en fait, il n'y a plus de risque pour bébé s'il naît. Donc, il va arriver dans les 4 semaines qui arrivent. Et vous allez voir que maintenant que je me suis reposée, il va arriver à terme. Hein, il va me faire poireauter, il va même peut-être dépasser le terme. Alors ça, il y a de grandes chances, hein, il y a de très grandes chances. Mais le fait de pouvoir voilà, rebouger, remactiver, revivre normalement, déjà, ça fait un bien fou. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour cette première journée de libération de vous filmer un 24 heures avec nous. Et surtout que Ninou, apparemment, va préparer une surprise. Une petite surprise, voilà. Oui, bien sûr. Donc, on va partager cette surprise et ce 24 heures avec vous. Petite précision quand même, on n'est pas solo, on a Loulou avec nous. Il y a Loulou avec nous, Mathis n'est pas là parce qu'il est parti pour les vacances. Du coup, on va vous emmener avec vous, avec nous, parce que vous venez avec voilà. Nous. On va vous emmener dans toutes nos activités de la journée, sachant que mon chat croit pas, on va pas faire du parapente non plus, calme-toi. On va faire des trucs plutôt cool. Moi, tant que je peux déjà faire ça, c'est bien. Voilà. Allez, on commence les 24 heures. C'est parti. Let's go. Bon, on y go. Oh, je suis plus montée dans la voiture depuis bien fort longtemps. Il y a ma Loulou qui est là. Dis donc, il est très beau ce petit pull. Ne serait-ce pas le pull de la nouvelle collection de l'atelier de Roxane? Ah bon, c'est les siens. Ah, je savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. Bon, Ninou est en place. On est prêt pour le départ, à savoir que je ne sais pas où on va. Donc, vu les conditions actuelles, je pense quand même qu'on ne va pas très loin. J'ai dû préparer une valise avec le strict nécessaire dedans, dont un maillot de bain. Donc, je me dis à tout moment, on va prendre un avion, on va à Bali. Bah, tu m'as dit pas loin, mais tu m'as pas dit le moyen de transport. 4 heures de vol. C'est vrai, on prend l'avion? Bah, Ninou, t'as pas le droit. Donc, ce qui est très bizarre quand même, c'est qu'on a chargé la valise de maternité dans le coffre. Puisque vu qu'on sait que maintenant bébé peut arriver à tout moment, bah, on a pris les devants, surtout Ninou qui est hyper stressée. Et on s'est dit, sait-on jamais, si on doit partir en urgence, on a le nécessaire dans la voiture. Donc, première étape de cette journée surprise et pas des moindres, la prise de sang. Ça, c'est une sacrée surprise, Ninou. Donc non, voilà, étape indispensable, parce que comme vous le savez, je me dirige vers un accouchement naturel, mais au cas où, si à tout moment je vrille et que je veux la péri, j'ai tout un examen là à faire ce matin pour pouvoir avoir cette péridurale sereinement. Bon ben, il pleut. Voilà, retour à la vraie vie. Première sortie. C'était un bon jour pour la surprise. Très bon jour. Il pleut, Ninou. Ça, c'était sûr, en passant. Bon, écoutez, j'ai pas pu faire ma prise de sang, je dois revenir mardi. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du coup, ça nous rapproche un peu plus de cette surprise. Je pense que le départ est officiellement annoncé. On y va? C'est parti pour Bali. On est arrivé, on est à Monaco, donc voilà, on n'est pas parti loin. Mais rien que d'aller à Monaco, déjà, ça me fait un bien de fou. Et en plus, en ce moment, Monaco, c'est la fête foraine. Donc là, j'ai cash négocié pour combler mon ventre de femme enceinte. Une petite halte à la fête foraine. Et après, la suite de la surprise. Ah ça y est, elle est au taquet. Ninou, j'ai une question. Ouais. Du coup, c'est une journée pour nous ou pour Loulou? Bah du coup, on va faire... Il y a en plusieurs parties. Ah. Et ce soir, je t'ai prévu une surprise, plus pour moi. Non, mais c'est une blague. On verra. La foire, le matin, c'est un très bon plan. Non, mais c'est trop bien, il y a des gains. Bon, tout est fermé. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, tout est moi, je m'en fous, je veux juste manger. Ninou, tu as un objectif. Ouais. Je repars pas sans peluche. D'accord. Je veux une peluche pour bébé. N'importe la taille? Au moins comme ça. Non, d'accord, ok. Bébé, je marche. Bah oui. Je marche. Combien de temps? Je sais pas, mais tu marches. Je veux le petit Dumbo là-bas pour bébé. Allez, Loulou. Non, mais non. Mais non. Oh, bébé, faut que ça reste dedans. Oh là 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 là, mais qui sont-ils? Mais Loulou. Là. C'est ton meilleur ami, il est pendant la grossesse. Hein. C'est mon goûter de 4 heures, c'est du Gaviscon. C'est du
Et pourtant, c'est dégueulasse. Mmh. Alors, c'est dégueulasse, mais les aigreurs, c'est tellement désagréable. Ouais, que ça passe. Le gaviscon, ça en devient bon, tu vois. D'accord. C'est, oui, bon, ah, ça y est, négociation. Aïe, 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 je te laisse. Bon, bah écoutez, j'allais sauter sur le lit, mais je peux pas avec mon bide, donc je saute doucement. On est arrivé au point surprise. Oh, c'est ouf, c'est magnifique, la vue est absolument dingue. Et en plus, vous savez quoi, le soleil est sorti. Les dieux du soleil sont avec moi, ils se sont dit pour fêter ce retour à la liberté, on va emmener du soleil à Roxane. Je vais vous faire un room tour avec Loulou, on va vous faire un room tour. Ninou nous a gâtés comme Jaja. Franchement, la chambre elle est folle, on va être trop bien. La télécommande, même elle, elle dort bien, quoi. Ouais, même la télécommande, elle a un étui, quoi. Excusez-moi. Est-ce que tu veux faire toi le room tour? Non. Non, je le fais moi? Oui. Bon, allez, je fais le room tour. Room tour, c'est parti! Louane a peur d'aller aux toilettes parce que c'est les toilettes qui nettoient les fesses. Tu verras, c'est drôle. Non, mais est-ce que je suis obligée de le faire? Ben non, mais moi, la dernière fois, ça m'avait fait sans que je demande rien. Ici, sur notre... Non, mais ça, c'est trop beau, hein. Oh, moi je veux un dressing comme ça avec des lumières. Oui, t'en veux des choses toi, déjà t'es je ici, peux t'es me bien. Mettre debout dans le dressing les gars. Non, voilà, donc petit dressing, enfin grand dressing, grande salle de bain, toute de marbre vêtu. Oh, j'avais pas vu, mais attends, on a douche. Oh, tu peux t'asseoir dans la salle, ça c'est bien avec mon gros bide. Ah, oh, je vais me mettre là, avec le jet sur la tronche. Le miroir est dingue. Ouais, putain, il est taillé. Tu vois, en vrai, j'aimerais bien, c'est dans la salle de bain, un grand miroir. C'est agréable, hein. Parce que nous, alors, faut savoir que chez nous, Loïc a accroché le miroir avec son père trop haut. Donc, en fait, quand tu veux te regarder, faut que... Mais si t'es pas contente, demande à ton père qu'il installe le miroir. Tu crois que mon père, il a que ça à foutre, installer des miroirs? Ah, je pense surtout qu'il est pas capable. Ah ouais? Ah bah, je te le dis. Ah bah, alors, voilà. Loulou, elle a son lit, là, il est trop mignon. Elle est trop bien. Elle est au max. Le lit parental. Nous sommes sur un lit king size. On est, attends, si je m'allonge pour visualiser la taille. Et toi, tu fais 1,58. 1,65. Alors, en vrai, on aurait pu dormir à 3 là-dedans. Beau lit, beau lit, très beau. On est déjà à 3. 4. Le salon, regardez comme c'est trop beau. Attendez. Ils nous ont bien accueillis. Non mais moi, ça c'est pas possible. Je ne peux pas boire, les gars. Arrêtez de nous offrir de l'alcool. Les petits macarons. Et regarde, on a eu des téléphones en chocolat. Très beau. On a été gâtés. Non, pour franchement, notre on est bien, mon chat. Moi, ce que j'adore ici, c'est ça. Tu vois, c'est... j'adore. Il y a plein de petits trucs à ouvrir. J'adore ça. Tu vois, regarde. Bim. Mais attention, voilà. Le clos du spectacle. Ah mais le balcon, il fait tout le long. Ouais. Oh, non mais regardez-moi ça. Ben voilà, écoutez, ce room tour est terminé. C'est oufissime. Merci mon Ninou. On va être trop bien pour ce 24 heures de la libération. Tous les trois, tranquillou, on va profiter à fond. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Non. En tout cas, le lieu est dingue. Mais bonjour, quel étage? C'est vous, hein. Ah oui, c'est vrai. Zéro, s'il vous plaît. C'est... Très bien, ouais. Passez un bon séjour. Vous de même. Au revoir. Non, je vais vous passer un bon séjour. Vous de même, au revoir, Andy. Arrête, je vais me faire pipi dessus. Allez, j'avais pas compris. Bon, allez, oui. Merci, bonne journée. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est un incontournable si vous venez à Monaco. Le casino de Monaco, là, on est sur la place principale. Le casino, il est là? Non, il est... Bah oui, en vrai, il prend tout là. Et ça, c'est la place que tout le monde vient voir à Monaco. Ouais, c'est... Là, on est sur un crédit sur plusieurs générations. J'en perds la voix. C'était quoi, cette voix? Bon, nous sommes de retour de cette petite balade. Et là, on travaille dans un cadre de malade. C'est absolument dingue, cette vue est dingue, je ne m'y ferai jamais. Ninou est toujours dans son coin là-bas parce qu'il fait la tronche. Tu fais la tronche? Non, pas du tout, je fais mon poste. T'es loin de moi. Donc là, on est en train de bosser vite fait. Ninou a fait un concours sur son compte Instagram. Moi, j'ai posté un petit réel. Il est trop trop beau et surtout, c'est un shooting photo que j'ai kiffé faire avec Ilan pour immortaliser ce ventre rond qui sera au final bientôt plus rond. Donc voilà, on fait ça. Là, on a la nouvelle collection qui est sortie ce soir officiellement sur la boutique. Donc on est en train de faire tous les lancements, vous partager un peu tous les nouveaux produits en story, etc. Et vos premiers retours là sont juste dingues, donc ça fait juste trop plaisir. Donc voilà, et ça va bientôt être l'heure de manger. On a faim, en vrai on passe notre vie à manger. Bon, sachez que j'ai un toc quand on part, même 24 heures comme aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vider la valise. Je peux pas laisser mes fringues dans une valise. Ninou est parti faire deux courses, mais t'as pris que des cagades. Ah non, ça va. Parce que en vrai, parce que c'est trop cher dans le minibar. Genre les amandes, c'est 20 euros le paquet d'amandes.
Donc il est allé à un petit casino là acheter des amandes et des noix de cajou que t'as payé du coup beaucoup moins cher. Allez, voilà, je parle toute seule. Et tout à l'heure, du coup, on a été faire un petit tour à la Fnac. Ça, c'est le pop-it que Loulou a gagné à la foire. Et on a acheté deux petits livres. Il y en a un pour Loulou. Donc, c'est Zoé et Gabriel qui mènent l'enquête. C'est un petit roman pour les enfants qui a l'air vraiment sympa. Et moi, alors, Musso et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il a sorti son nouveau livre. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis rendu compte que les héroïnes s'appellent Roxane et son fiancé Raphaël. Donc, petite lecture, parce que même si je suis plus en repos forcé, bah, le bidou oblige quand même des longs moments de fatigue et de repos. Donc ça va occuper ces petits moments-là. Voilà, go pour ranger la valise. Bon, je pense que ça fait pas mal de vidéos qu'on fait ensemble en hôtel. Et vous connaissez mon deuxième toc après la valise, c'est choisir le petit-déj le matin. Petit déjeuner continental, donc c'est petit-déj à la française avec le thé, infusion, pain au choc ou quoi. Après, on a le petit-déj américain qui est composé d'un petit déj continental, mais d'un supplément œuf au choix, à la coque, mais moulé. Bon, oui, exactement. Au prix des cacahuètes, on va se calmer. Ou alors on a le petit déj vegan. Et là, on a du granola énergétique, salade de fruits, lait végétal. Ça t'inspire beaucoup moins, je le vois. Oui. Bon, c'est parti. 1h30 de sélection pour le petit déj. On se retrouve plus tard. À toutes. Bon, la douche est prise, le peignoir est enfilé et Ninou. Alors, on est d'accord, il m'a organisé ce week-end pour moi, enfin ce week-end, ce 24 heures pour moi. Ouais. Mon chat. Il m'a mis le basket. Mais le relique de basket, mon chat. Mais bébé, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les cacahuètes? Loulou, tu valides le basket? Non. Non, voilà, on valide pas du tout le basket. Donc il y a Danse avec les stars qui va commencer. Non, on met mon chat. C'est ta soirée, mon cœur. Hein. Dans 2 minutes, on le met. Ce qu'on va faire, les loulous, nous, c'est qu'on va manger. On s'est pris un petit plat vite fait à manger dans la chambre parce que honnêtement, je suis éclatée. Et le 24h n'est pas fini parce qu'on fait un 24h complet. Donc on se retrouve quand on se réveille. Et ben c'est ça. Au réveil. Voilà. Allez, à toutes. Bonne nuit. Il est 9h du matin. La nuit s'est plutôt bien passée. Franchement, la literie est folle. Juste avec Loulou, on s'est réveillé à 4h du mat et on a refait le monde sur le balcon. On était en insomnie totale. Pff, sérieux. Tu vas aller à la foire. Non, mais on va se recoucher là. On va à la piscine. Non. Mais on a réussi à se rendormir, c'est le principal. Il est actuellement 9h du matin, l'heure du petit-déj qui est là. Je sens l'odeur des pains au chocolat et tout, j'ai une faim, j'en peux plus. Et je pense qu'on va bien manger là. On a les petites viennoiseries, les œufs brouillés. Petite crêpe, pain perdu, on a des œufs à la coque, j'ai pas le droit parce que je suis enceinte. Les champignons, confiture, petit pain, et voilà. Écoutez, bébé, on est pas mal. Ouya, ah, on est pas mal du tout en vrai. Hein. C'est le petit déjeuner princier. Voilà, mais bon appétit. Alors, Ninou, ce petit pain perdu. Il est très bon. En vrai, il donne très très faim. Très très bon. Et t'as remarqué? La cueillette de champignons a été bonne hier. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu m'as pas proposé de goûter quoi. Alors, est-ce que j'ai fini? Même, je sais que t'allais pas me proposer. Alors, je vais vous donner une astuce de Roxane. C'est qu'elle elle va te dire non, hein. Mais elle attend, elle te regarde, elle en a envie. Elle attend que tu finisses et quand t'as fini, fait. On me propose pas, certes. Mais c'est vrai, tu ne m'en propose pas. Et je veux bien goûter. C'est trop grand. Tu vas pas aimer en plus, c'est au miel. Ah non, elle a trop le goût du miel. Ah, j'aime pas. Et voilà, et donc voilà, elle m'a pris une part pour rien. Non, j'aime pas. On est en contentieux. Louane veut retourner à la foire en sachant qu'on y a déjà été hier. Et moi, je vais aller au musée océanographique de Monaco. Sauf que papa n'a pas du tout envie. Ouais, bah, papa, il veut rien faire. Papa, il est en mode farniente. Donc moi, je te propose un deal. On va tirer à pile ou face. Pile, on va au musée océanographique, on va pas à la foire. Face, on va pas à la foire, on va au musée océanographique. C'est quoi face? C'est quand il y a la face. Oui. On a pas de pièce. Mais oui, prends une pièce dans le porte-monnaie. Alors Ninou, on a fait un deal avec ta fille. Je répète. Pile, on va au musée océanographique, on va pas à la foire. Ouais. Face, on va pas à la foire, on va au musée océanographique. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mais tu m'as fait un point là. J'ai trop insisté. Mais oui. Bah viens, on joue pour du vrai. Pile la foire, face le musée. Oh oui. On va à la foire. On va à la foire, on va à la foire, on va à la foire, on va à la foire. Écoutez, on va terminer cette vidéo sans Ninou parce qu'il nous a abandonné, il est au téléphone pour le travail. Toujours du travail, encore du travail. Écoutez mes gourmandises, on va terminer ce 24h, on va pas vous ramener avec nous à la foire parce qu'au final on y a déjà été hier.
N'est-ce pas? Voilà. Écoutez, on espère que ce 24 heures avec nous vous a plu. Moi, ils m'ont gâté comme jamais, ma petite Lou, mon petit Ninou, avec cette surprise qui fait du bien, ce retour à la liberté et bébé qui va débarquer incessamment sous peu dans les 4 semaines à venir. Attends juste, madame. Quoi? Vous voyez comme vous avez les cheveux lisses, vous faites ça. Vous secouez? Moi, je préfère comme ça, vous voyez. Merci. Y a pas de problème. Merci. Merci. C'était un plaisir de travailler avec donc, vous. Donc, mais là, tu m'as rappelé-t-il les cheveux. Oh, pardon. Ah, excuse-moi. Mes gourmandises, on vous aime de ouf, de dingue, dingue de malade. Et on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.